Nous sommes la somme de nos perceptions, nous sommes la somme de nos croyances, nous sommes la somme de nos opinions, hein, de nos mémoires, de nos expériences du passé, parce qu'on a, on s'est cristallisé dans ce qu'on appelle l'ego. Une version de nous-mêmes, hein, qui est cristallisée et qui pense que la vie, c'est comme ça. Et tant aussi longtemps que je vais garder cette perception de la vie-là, mais c'est bien simple, je vais souffrir. Vous savez, un jour, quand que j'ai fait mon fameux burn-out, en fait, à un moment donné, je me suis intéressé au développement personnel et il y a un conférencier qui a enseigné, là, qui a partagé cette phrase suivante-là, qui a été un point pivot véritablement pour moi. Nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. À ce moment-là, j'étais en burn-out. J'avais juste envie de pleurer. J'étais perdu. Je me sentais vide complètement. Personne ne pouvait me comprendre. Et lui, cette personne-là, vient me voir pour me dire « Nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. » Nous sommes véritablement à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Et nous sommes maîtres de notre façon de percevoir le monde.